Hello. Ça, c'est le véhicule de sa femme. Sans brutalité, sans injure, rien, personne n'a cassé rien. Ouais. Et s'il n'était pas venu tuer ou blesser, il n'y aurait rien eu. Ouais. Je pense que c'est une libre opinion d'expression. Chacun a le droit de s'exprimer et de dire ce qu'il veut. Okay. Et nous, nous avons dit que nous ne voulons pas de la candidature de Tadi. Ce n'est pas écrit. Et lui, d'autres la veulent. Et ils font ce qu'ils veulent, le jour même, ils tuent 150 personnes ou plus, et le soir même, ils sortent, ils font les mamayas. Mais pourquoi? Nous sommes des Guinéens, nous avons le droit aussi de faire la mamaya comme eux, pour dire ce que nous voulons. Donc moi je pense que je lance un appel à tout le monde. Nous sommes des Guinéens, nous n'avons pas le droit de nous décourager, et ça ne fait que nous donner de la force, moi particulièrement. Je ne reculerai pas. Et madame, mais comment est-ce qu'on est arrivé à tous ces dégâts-là? Ça s'est passé pendant que vous étiez là? Les dégâts sont faits par des bérets rouges. Malheureusement, je n'ai pas le numéro des véhicules en tête. C'est des véhicules VA qui sont venus, des bérets rouges. La garde présidentielle du président de la République. Ceux qui sont venus casser ici. C'est la journée, la nuit? Ils sont venus la première fois à 14h. La deuxième fois, ils sont venus à 2h du matin. Pour casser. Pour casser. Merci madame. Pour emporter ce qu'ils voulaient emporter et le reste ils ont cassé. Ils ont cassé. Continuons à vivre de toutes les façons. C'est des animaux. C'est des animaux. C'est plus que le mot d'un animal. Non, ils n'ont pas pu emporter.